Le détenu, là, il est toujours pas passé, lui? Non. Le mandat d'amener. Ah, il n'y a pas eu de mandat d'amener? Il n'y avait pas une... Le monsieur... Rosé. C'est vous? C'est vous? Et vous êtes venu tout seul ou vous avez... c'est la police qui vous a accompagné? Non, moi, je viens tout seul. Hein. C'est bien, hein. Ça, elle est forte, celle-là. Mais deux mandats d'amener qu'on fait, la dernière fois, ils l'ont pas trouvé, il était parti au boulot. Et puis cette fois-ci, il vient tout seul, ce qui prouve bien qu'ils le lui ont dit. Sinon, il sait pas son genre de venir tout seul aux convocations, surtout quand il en a pas. Donc les policiers, ils vous ont amené ce matin ou ils vous ont... Bon, j'ai pas le français. Il y a une dame tout à l'heure qui blanche, là, qui disait « Oui, oui, on est avec monsieur... » Oui, je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas le pas français. Vous avez interprète parce que moi, j'ai pas le pas français, hein. Ah, priori, vous parlez pas français maintenant? Non, j'ai pas le créole, non. Ah, non. Mon pâté savait. Ton pâté savait. Oui, oui. Vous comprenez pas le français. Faites-moi rire, faites-moi rire. Bon. Vous êtes en France, vous êtes en Guyane depuis 15 ans? Ah, depuis 20 ans. Hein, oui. Depuis 20 ans, vous comprenez pas le français? Non, je parle pas français. Oui, vous parlez pas français? Oui, mais les tribunaux, c'est normal, il faut interpréter hein, parfois. Excusez-moi, monsieur le président, j'ai discuté avec monsieur tout à l'heure, quand je m'entretenais avec mes clients, qui est venu s'interposer, qui m'a littéralement agressé, mais dans un procès très compréhensible. Donc je me suis très surprise qu'il était aujourd'hui qu'il ne parle pas le français. Il parle parfaitement le français. On était venu ici deux fois déjà, il n'était pas là. Il est là aujourd'hui sur mandat d'arrêt, alors il ne va pas prendre prétexte pour d'un interprète pour que cette audience soit encore reportée. Il en est hors de question. Je pense qu'il parle le français et qu'il est parfaitement en mesure d'être juge. Bon, donc, cette affaire est retenue et sans interprète, le tribunal considérant, monsieur, que vous parlez suffisamment, c'est le mot de la loi, le français. Et voilà, à partir de là, nous, on va faire le procès. Vous êtes là, ça fait trois fois qu'on vous convoque, vous n'êtes pas habitué à venir aux audiences. Commençons par le commencement. Vous êtes né le 15 mars 61 à Aquin, en Haïti. Vous n'avez jamais été condamné sous cette identité. Et vous êtes poursuivi devant ce tribunal correctionnel pour avoir à Cayenne du 1er janvier 2006 au 3 février 2011, ce qui fait beaucoup. Je cite, volontairement exercer des violences sur Nicolas, mineur de 15 ans, en étant son ascendant, ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. On vous reproche également d'avoir à Cayenne du 1er janvier 2009 au 23 mai 2009, volontairement exercer des violences sur M. Jean-Eddy, mineur de 15 ans, en étant son ascendant, puisque vous êtes leur père, toujours sans incapacité de travail. Voilà, donc on vous reproche des violences sur vos deux enfants, Jean-Eddy et Nicolas. Ça fait des années que des éducateurs, notamment, essayent de vous rencontrer pour pouvoir vous aider à renouer des liens corrects avec vos enfants. Vous êtes le père de ces trois, combien il y en a? Quatre, cinq enfants? Et plutôt six. Oui, mais avec la dame qui est décédée, vous en avez eu combien? Oui, quatre. Oui, quatre, oui. Vous en avez eu quatre. Donc, le dernier, c'est Nicolas. Nicolas, oui. D'accord. Avant Jean-Eddy, qui est-ce qu'il y a? Et avant Jean-Eddy, c'était Lionel. Léonel. Oui, Léonel, ouais, Léonel, voilà. Léonel. Léonel avait déjà été placé en son temps pour des problèmes relationnels avec vous, voire même de violence. Et d'ailleurs, on verra ultérieurement qu'il se manifestait régulièrement auprès des deux enfants qui étaient au domicile, jusqu'à ce qu'ils soient placés eux aussi. Je mets au débat les dernières décisions du juge des enfants. Que vous avez dû avoir en copie, encore que vous n'allez pas non plus chercher vos lettres commandées, puisque peut-être que vous estimez que vos enfants ne méritent pas que vous alliez chercher la décision du juge, ou que vous alliez au cabinet du juge. Oui, j'étais allé une fois. Oui, vous êtes allé une fois, mais c'est tout. Non, pourquoi? Vous pensez pas que vos enfants ne méritent pas que vous preniez un petit peu de temps pour vous occuper d'eux et en parler? Non, mais je ne suis pas officier, c'est-à-dire que bon, parfois je n'ai pas de temps, parfois les week-ends. Mais si les enfants ils viennent de la maison, je ne suis pas là. Mais il vient pour rien. Oui, ils viennent pour rien, oui. Ça fait longtemps qu'ils viennent pour rien. Oui, ça fait longtemps que non seulement vous nous avez imposé ici vos enfants qui, certes, n'ont rien demandé dans tout ça, mais que vous nous avez mis à charge.
hein, parce qu'il faut que ça soit clair. Ça a été Léonel, ça a été Jean-Élie qui est placé en foyer, et c'est également Nicolas qui est placé en famille d'accueil. Tout ça au frais de la société. Non, merci mais, la société. Non, oui, d'accord. Parce que vous n'êtes pas en mesure de vous occuper de vos enfants. Non, et en plus, les éducateurs viennent chez vous et vous n'avez même pas la correction de les recevoir. Non, c'est moi. Écoutez-moi, c'est-à-dire que c'est moi qui placé Jean-Édi en maison. Parce que Jean-Édi, il m'a menacé de coups de poing, parfois. D'accord. Alors, on va voir dans les détails comment ça s'est passé. Je donne connaissance des décisions du juge d'enfants dont j'ai été prendre copie hier pour que ce soit mis au débat et que ce soit clair. Et le juge écrit. Le 8 décembre 2010, la PJJ nous informait des craintes émises par le milieu scolaire concernant ces deux mineurs, donc Jean-Édi et Nicolas. La CPE du lycée fréquentée par Jean-Édi évoque M. comme un homme qui terrorise son fils. Elle reçoit en août des appels téléphoniques de Roseni, fille aînée, ayant elle-même fait l'objet d'un suivi éducatif pour maltraitance lors de sa minorité. Nicolas est pour sa part décrit comme un enfant mutique et replié sur lui. Les établissements scolaires craignent alors des représailles du père à l'encontre des enfants et notent des carences éducatives. Les deux mineurs ont été entendus par la police et ont confirmé les actes de maltraitance du père. Selon eux, entendus séparément en la présence du père à l'audience, ce dernier aurait menacé de les battre à leur retour de l'audience puisqu'ils avaient dénoncé les faits à la police. Entendu seul, Nicolas apparaît nourrir une crainte extrême à l'égard de son père. Jean-Édi a pourtant décidé de riposter en cas d'agression physique de son père, évoquant une légitime défense dans laquelle il se trouverait. Il est surprenant de constater que M. ne fait preuve d'aucune considération affective à l'égard de ses enfants. Au vu du danger physique et psychologique encouru par les deux enfants, il convient de les confier au plus vite à l'aide sociale à l'enfance, avec une orientation en famille d'accueil pour Nicolas. Alors, les enfants, voilà ce qu'ils disent. Ils disent, papa, dès qu'il monte en colère, il frappe avec les mains et les pieds, ou encore avec des lianes. Il frappe, je cite, « durant 3 minutes avec force et rage, mais il ne dit rien ». Jean-Édi rajoute « Maintenant, je riposte. La dernière fois, après avoir reçu une claque derrière la tête, je lui ai rendu. Il est allé chercher un objet pour me frapper. Il avait pris un morceau de bâton d'un 20 environ. Quand j'ai vu ça, je suis parti de la maison, je suis resté dehors toute la nuit. Pourquoi ? J'avais peur que mon père me mette en miettes. Il me disait presque tout le temps, à chaque fois qu'il était en colère, de partir, d'aller au foyer, dans un foyer. » Alors, il précise que donc sa mère est décédée en Haïti en 2005. On lui demande « As-tu des cicatrices ?» Il dit « J'en avais, mais elles sont parties. Il reste juste une légère trace de dents, de morsure au bras gauche. Question, pourquoi ? Alors comment ? Je devais avoir 14 ans, je ne me souviens pas trop. Mon père m'avait demandé d'aller poser un dossier pour lui à la CAF, mais c'était fermé. En rentrant, je le lui ai dit. Il s'est énervé, il m'avait tenu en clé et nous avons atterri par terre. J'ai réussi à me défendre en le repoussant, mais il s'est jeté sur moi, il m'avait mordu au bras. Pendant qu'il me mordait, je le tenais à la tête. » Voilà. Et puis il termine, est-ce que tu détestes ton père ? Oui, à quel point, au plus bon, au point, etc. As-tu déjà pensé à tuer ton père ? Oui, depuis tout petit, il me faisait chier. Je cite. Bon, voilà en gros ce qu'il y a dans le dossier. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites ? Bon, il y en a qui vrai, il y en a qui faux aussi. Hein. Alors, dites-nous, parce que vous avez été entendu quand même, après multiples convocations. Et vous avez expliqué, effectivement, que vous avez été à des convocations, pas beaucoup, mais enfin bon, je donne des ordres à Jean-Édi, il ne fait pas, il se prend pour un grand monsieur. Et vous dites que quand vous lui donnez les choses à faire, il est très lent, ça m'énerve. Est-ce que vous avez déjà tapé Nicolas avec une liane ? Non, jamais. Voilà ce que vous avez dit. Vous avez jamais tapé Nicolas avec une liane ? Non, parfois, quand j'envoie dans les toilettes pour aller bousser les dents, il fait rien. Bon, parfois, je tape, hein, c'est normal. Je dis, Nicolas, il faut faire vite pour aller à l'école. Parfois, il restait là, dans les toilettes. Il n'a rien fait. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est d'une part, comment vous n'arrivez pas à vous imposer votre autorité sans les taper ? Bon, parfois, oui, ça dépend. Pour éduquer des enfants, chez moi, il faut 2 choses. L'autorité, l'affection. Il n'y a pas d'affection entre vos enfants et vous. D'accord. Ben, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de leur père. Ils disent que s'ils pouvaient être morts, ça les arrangerait. Non, mais parce et que vous, vous ne faites rien qui manifeste un quelconque intérêt vis-à-vis d'eux. Pas d'affection, pas de déplacement à toutes les convocations. Dès qu'on vous convoque pour parler de vos enfants, ça ne vous intéresse pas.
On vous les a placés. Vous n'avez jamais été les voir, demander à les voir ou quoi, aux caisses, au foyer, en famille d'accueil, rien du tout. Aucun intérêt pour vos enfants. Est-ce que vous avez de l'affection pour vos enfants? Bon, mais ça dépend. De toute façon, l'enfant, il se vit la maison, de façon, il conduit. C'est ça, les problèmes. Parce que, j'en ai dit, j'ai jamais... Il fait des choses, moi. Parfois, j'ai couru, j'ai pas, il laissé. Hein. Mais parfois, il m'a menacé plusieurs fois, coup de poing. Oui, mais il le dit, oui, il dit qu'il vous a riposté. Mais comment, monsieur... C'est ça, ma question. Comment un enfant peut-il riposter à son père si il sait que son père l'aime, qu'il est là pour l'éduquer, qu'il n'y a pas d'autre solution, d'autant plus que sa maman est décédée? Comment vous en arrivez à une telle dégradation de la relation à vos enfants? Ils n'ont pas respecté son père, c'est normal, c'est ça. Comment vous expliquez que tous vos enfants se rebellent contre vous comme ça indéfiniment? Le problème, c'est une qui va indiquer l'autre, le plus grand qui va indiquer le petit. Eh bien, il va tracer les mêmes traces. Oui, mais bon, d'accord. Mais vous n'arrivez pas à rattraper le coup. Moi, je vous dis l'affection. Vous me dites, donc s'ils ne respectent pas leur père, vous ne les aimez pas? Mais si vous avez un enfant, il ne respecte pas. Mais comment faire pour vous aimer? Vous ne l'aimez pas? Ah ben, c'est bébé, si, vous pouvez l'aimer quand même. Et puis, même lui donner un petit coup. Mais il peut y avoir de l'affection. Moi, je n'aime pas ça. Parce que, oui, mais peut-être que vos enfants, ils auraient bien envie, une fois dans leur vie, d'entendre que leur père, c'est-à-dire leur seul parent, il les aime. Et ça, je suis pas sûr qu'il l'ait entendu souvent. Moi, je sais pas, mais moi, non, je n'aime pas ça. J'aime ça pas vous préoccupe pas. L'enfant, il a tapé son père, tapé sa mère, non. C'est pas possible. Bien sûr, monsieur, c'est pas normal, nous sommes bien d'accord. Oui. Mais la question, c'est de savoir comment on sort de ça. Bon, excusez-moi, c'est-à-dire que maintenant, là, c'est mieux, ils ont placé dans la maison de la crise. Mais ils sont restés là, jusqu'à ce qu'ils en aient, c'est tout. Et vous n'avez pas envie d'aller les voir, de les prendre en week-end? Bon, oui, parfois, oui. Mais pas tout à fait, parfois, oui. Sinon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, alors? Moi, j'ai peint un bâtiment et puis plombier. Vous gagnez combien par mois? Bon, parfois, ça dépend. Parfois, 2 000, parfois 1 500. 2 000 euros, à peu près. Les questions? Pas de questions? Maître Grédo? Je suis l'avocat de vos enfants. J'ai une question à vous poser. Vous vous considérez comme une victime de vos enfants? Non. Qui est la victime, alors? Moi, je ne sais pas, moi. Voilà, c'est la seule question que j'avais à poser. Bon. Venez, les enfants, si vous voulez dire quelque chose, maintenant, si vous voulez rien dire... Non, ils veulent rien dire. Bon, les enfants, vous allez retourner dans la salle, vous asseyez à côté de la dame, là. Et donc, la parole est à la partie civile, maître Grédo. Cette fois, je vous oublie pas. Alors, je suis particulièrement, je dirais, indignée et estomaquée par le comportement de monsieur... Pourquoi? Parce que j'ai demandé à m'entretenir avec mes clients à l'extérieur de cette salle. Et monsieur s'est avancé vers nous et j'ai été témoin de son attitude, de cette violence qui est en lui. Et il est bien content que ses enfants aient été placés, il est bien content d'en être débarrassé. Hein. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que les enfants soient protégés. Le petit Nicolas a trouvé un équilibre dans la famille d'accueil dans laquelle il est actuellement. Jean-Eddy, lui, est maintenant majeur et poursuit sa petite vie de jeune. Mais monsieur... Il doit répondre des violences qu'il a commises sur ses enfants. Je vous demande de condamner monsieur à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 3 000 euros, j'ai bien dit, à chacun. Merci. Merci. Je voudrais, avant de vous donner la parole, monsieur le procureur, avoir un mot de la part de l'éducatrice Azeu sur la situation actuelle des enfants. Dites-nous, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants-là? Comment ça se passe? Comment ils se comportent? Il est toujours dans la famille d'accueil. Ça se passe relativement bien. Il est en CM2. Et il avait quelques problèmes scolaires, qu'il était timide, il ne parlait pas beaucoup. Ça va mieux, mais il est toujours suivi par les psys. Hein. Tous les deux sont suivis en psychologie. Hein. Ouais. Alors, dans la famille d'accueil, il se comporte bien? Il se comporte très bien, ouais. Bon, OK. Alors, Jean-Eddy, donc? Oui, donc Jean-Eddy est toujours suivi également. Il est donc bénéficiaire. En jeune majeur? Voilà, il bénéficie d'une mesure de jeune majeur. La difficulté, c'est que pour l'instant, il ne fait rien parce qu'on est en attente de ses papiers. OK.
Alors, d'accord. Il a réussi son CAP en septembre. Il a réussi son CAP, il a réussi son CAP. Là, il y a des projets professionnels qui sont en route. Le petit souci, c'est qu'il y a une demande de nationalité française. On est en attente de réponse pour qu'il puisse continuer dans sa formation professionnelle. Je voulais juste rajouter que par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, moi, depuis que je le suis, j'aurais dit que c'est un jeune homme calme. Il rentre dans l'autonomie et c'est un jeune homme très, très, très sérieux. OK. Merci. Monsieur le procureur, c'est à vous pour vos réquisitions. Oui, monsieur le président. Ces deux enfants sont en souffrance. En souffrance non seulement pour avoir perdu leur mère très jeune, mais également en souffrance en raison des violences qu'ils subissent de la part de leur père, qui se désintéresse totalement d'eux. Moi, je pense que le prévenu ici présent est un père indigne qui doit aujourd'hui répondre de ses actes. Et je vais demander à votre tribunal d'entrer en voie de condamnation et de le condamner à une peine d'emprisonnement de 18 mois ferme. Alors, monsieur, là, cette fois, vous n'avez pas d'avocat, vous. Hein. Je suis bien sûr de mon coup. Venez à la barre. Est-ce que vous souhaitez réagir et faire votre défense, hein, comme si vous aviez un avocat? Vous avez la parole en dernier. Moi, j'ai aucune parole, par exemple. Vous ne souhaitez rien dire de plus? Oui. Bon, très bien. Ben, vous attendez dans la salle, la décision sera rendue tout à l'heure. Et vous attendez bien là, hein, parce que je vous dis tout de suite que si vous disparaissez, eh bien, on risque de se fâcher. Donc le tribunal se retire pour délibérer. L'audience est suspendue. Alors, l'audience est reprise, messieurs, dames, vous pouvez vous asseoir. Le tribunal rend ses délibérés, monsieur. Ah, il est disparu. Bon, ça commence bien. Le tribunal donc le déclare coupable. Il est condamné à 1 an de sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans. Il est condamné à payer à Madame Place, escalité d'administratrice ad hoc de Nicolas, la somme de 2 000 euros. Et il est condamné également à payer à Jean-Eddy, désormais majeur, la somme de 2 000 euros. Également. L'audience est suspendue.